Bien, voilà, retour de la pause et on va continuer maintenant avec la République démocratique du Congo. Les députés qui réclament une augmentation de 2 000 $. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que 2 000 $, ça fait 1 million de francs CFA quand même. L'Assemblée nationale a sollicité la révision, la hausse des émoluments des députés nationaux et de l'enveloppe consacrée mensuellement au fonctionnement de son administration. Une demande formelle a été adressée au Premier ministre en ce sens par la présidente du Parlement RD congolais, Jeannine Mabunda. Les députés souhaitent un complément de 2 000 $ chacun par mois. La nouvelle a fait grand bruit au moment où le pays traverse une crise économique accentuée par les effets de la pandémie du coronavirus. Parce que vous comprenez ça, il faut le dire d'abord, les députés, au moment où nous parlons, ont un salaire de 4 600 $. Donc, quand on ajoute leurs indemnités et tout, juste un peu moins de 5 000 $. C'est vrai qu'ils justifient cette demande d'augmentation par le fait que le coût du dollar a légèrement chuté. Et donc, lorsqu'ils font la conversion en francs congolais, ce n'est plus comme avant. Mais le Congolais moyen gagne 35 $ par mois. Donc, j'ai envie de devenir député en RDC, c'est tout. Si je peux avoir la nationalité congolaise, j'irai faire la campagne et être député en RDC pour avoir 6 500 $. Hein, d'émolument par mois. Non, c'est gourmand, très gourmand. Et la période n'est même pas bien choisie. C'est une période de crise sanitaire où la République démocratique du Congo se cherche. Et pour ces revendications, je ne sais pas comment, quand j'ai suivi les débats sur d'autres médias, je me demande, les représentants du peuple qui se donnent la peine, le plaisir d'augmenter leur émolument sans penser au peuple. C'est vrai que quelque chose de ce genre s'est produit aussi dans mon pays, entre-temps, vous vous rappelez, et tout le débat autour de ça. Je ne veux pas revenir sur ça. Mais vous noterez que c'est quand il faut voter ce genre de choses, il n'y a jamais personne qui dit, aucun député de l'opposition qui ne sont jamais enclins à voter dans le sens des autres. Ils votent tous oui quand il s'agit d'augmenter les salaires. Oui, je crois que l'unanimité au Togo, il y avait eu de l'unanimité autour de ce 100%. Vote. Je me rappelle, il y a des sujets sur lesquels ils se déchirent, mais quand il était question de leur émolument, c'est à l'unanimité. Et vous, allez-y comprendre, ça, c'est l'affaire d'intérêt personnel, ça, c'est l'affaire de leur poche. Ce qui se passe au Congo, où le Congolais moyen est à 35 $. Alors, est-ce que vous avez vu le rapport? Le 35 $ à 6 500 $, si jamais on leur accorde les 2 000 $, qui ça fait 1 million. Une augmentation d'avait 50% exactement, 50% ou bien 48%, 48%. Dans un pays qui est miné par la guerre, qui est miné par la pauvreté, pourtant riche, je crois que c'est une gourmandise. Et les élus du peuple, si réellement ils étaient des élus du peuple, ils auraient pu souhaiter pendant cette période même faire réduire leur salaire, pour permettre... pour permettre à la politique de riposte contre la COVID-19 puisse avancer. Mais je crois que c'est, comme je l'ai dit, c'est une demande qui ne vaut pas la peine. Et là, c'est sous un régime de changement, de rupture, avec ce qu'on a l'habitude d'avoir, l'ex-régime. On veut vraiment couper le pont, on veut vraiment faire une transition pour donner quelque chose de nouveau. Voilà ce que ça crée. Mais malheureusement, pour le président, il n'est pas majoritaire. Donc tous les députés là sont toujours de l'autre bord. Mais en tant que président, lui, c'est lui qui doit donner le dernier mot. Il doit donner le dernier mot pour dire, mes amis, ce n'est pas le moment. C'est vraiment exagéré. Exagéré de la part de ces députés. Passer le mot, c'est exagéré comme demande des députés. Tout dépend du contexte. Je pense que ici,
Nous avons aussi crié quand les députés se sont offerts une augmentation. Alors, ils l'ont fait en catimini, ils n'ont pas fait beaucoup de bruit. Mais en même temps... Pas comme les autres sessions. Je crois, oui. Je crois que tout dépend du travail que le député fait. Je crois que dans nos pays, on se trompe souvent du travail du député. Vous avez des populations qui veulent que des députés réalisent des choses dans leur zone. Alors que ce n'est pas le rôle du député. C'est vrai aussi que le député... Germain, c'est pendant la campagne, c'est ce que les gens disent. Ouais. C'est vrai que... Que je vais faire la route, je vais faire ceci, des problèmes. Pendant la campagne, il fait des promesses, sachant bien que ce n'est pas son boulot. Au lieu de dire que nous allons faire de bonnes lois, de bonnes lois pour vous... Du coup, après l'élection, moi, j'ai rencontré des députés qui me disent, mais Germain, il ne faut pas envier un député, hein, que tous les problèmes du village... C'est chez le député. Il y a un match, c'est le député. Il y a des funérailles, c'est le député. Il y a les collages, c'est le député. Il m'expliquait. Je dis, ah, mais on n'imagine pas que c'est comme ça. Il dit, ah, mais que c'est ça, vraiment. Donc, vous voyez que le député... Le poids, les charges. Maintenant, en dehors de cela, si un député veut vraiment travailler et créer un cabinet... Et employer des gens. On n'a pas ce genre de députés en Afrique, malheureusement. Ni cabinet du député. On a vu un peu les emplois parlementaires qui ont créé des problèmes à des gens. À des gens, Fillon, Fillon et sa femme. Mais là, l'État met des moyens à la disposition du député pour faire fonctionner son cabinet et donc qui lui permet de travailler. Et si on n'a pas ce genre, moi j'ai vu, c'est vrai que l'ANC avait créé dans un coin de la ville. Un bureau du député, j'en ai vu vers Sotoubois aussi, il y avait un député à l'époque, le député de Sotoubois qui avait aussi un cabinet, quelques-uns, mais pas député beaucoup de députés. Ouais, député et d'Unir aussi, à Gouai aussi, mais il n'y a pas beaucoup de députés qui ont des cabinets. Mais si c'est le cas, on doit leur donner les moyens pour pouvoir entretenir cette petite administration-là qui a leur... Qui a créé de l'emploi. Maintenant... Et nous sommes en RDC, le pays, il faut le dire, est riche. Peut-être les députés, ce sont eux qui votent le budget. Ils ont une idée de ce qu'il y a comme entrée et dépense, parce que c'est eux qui étudient le budget et le vote. Et je pense aussi que c'est à l'unanimité, aussi bien proche de l'opposition que du pouvoir, qu'ils ont envie d'avoir cette augmentation-là. Si c'est pour faire un travail qui profite à leur collectivité, qui profite à la nation. Désormais, ignore ça. Non, ce que je veux dire... Non, je te comprends, vas-y, je te comprends juste. De loin, moi, j'ai donné l'exemple de ce député. D'abord, c'est un député du CAR qui a fait cette confidence-là. Je n'imaginais pas ça. Et pourtant, c'est la réalité. C'est-à-dire que vous devenez député, vous n'imaginez pas les charges que vous avez. Donc, si ça se présente comme ça, les autres, quand on n'est pas le député, n'a que cette fonction, hein. Mais quand vous êtes patron d'une société, vous êtes dans l'administration, il y a les marchés publics, il y a un certain nombre de choses où on peut avoir des risques et tout ça. Bon, c'est la politique. Mais là, je pense que si le député fait son travail, s'il a des collaborateurs et il travaille pour le pays, il peut exiger quand même, s'il a 1 million, ça correspond à peu près à 1 million, pour payer le loyer, payer ses assistants et travailler. Bon, moi, je ne pense pas que c'est trop. Si c'est une législature qui veut vraiment marquer la RDC avec un travail bien fait, mais si c'est pour se nourrir et vivre dans l'opulence, être beaucoup plus à l'aise, mais en même temps, il y a la population qui va apprécier. Vous êtes issu d'une population qui vous a choisi. Si vous avez le courage, pendant que les gens meurent de faim, d'exiger 1 million d'indemnités par mois, ben, c'est votre conscience et la population. Ça, c'est une revendication, il demande. C'est aussi le déphasage entre ce qu'il gagne et ce que gagne le Congolais moyen. Parce que quand le Congolais moyen a $35 le mois et que le député est déjà à $4 600 hors, hors prime et autres, et veut se taper $2 000 de plus, c'est ça qui est choquant. Bon, moi, les $35, bon... Je ne sais pas où on a trouvé ce chiffre-là, parce que $35, ça correspond à quoi? C'est 18 000. Voilà, c'est même pas 18 000. Hein. Je ne pense pas que ça fait 18 000. Je ne sais pas si le SMIC
en RDC à 35 $. Mais si c'est le cas, la députée aurait intérêt à voter d'abord un bon SMIC d'abord. C'est ce à quoi je voulais venir. Mais ça m'étonnerait Pensez d'abord. Que 35 000 soit le SMIC dans ce pays et que des députés aient le courage de demander 2 000 $ d'indemnité. De plus. De toute façon, l'affaire choque, par exemple, la société civile. Il y a un cadre de la plateforme de la société civile, la Mouka, qui dit qu'avec ce que les députés demandent, lui cite d'ailleurs la présidente du Parlement, avec plus d'un million de dollars que Mabunda veut avoir, on peut construire chaque mois 50 centres de santé équipés, 50 salles de classe équipées. C'est ça aussi le problème. Vous avez un pays qui est assis sur de la richesse. C'est l'un des pays les plus riches au monde, oui. Mais qui a une population qui tire le diable par la queue. D'ailleurs, le diable n'a cette même plus qu'on tire sa queue. C'est compliqué. Il a combien de queues? Parce que tout le monde en tire. Et finalement, les élus de ce peuple vivent au paradis. Oui, justement. Je crois que quand vous prenez les députés, la plupart des temps, deux missions leur sont assignées. Voter la loi et puis contrôler l'action du gouvernement. Je suis désolé que les députés un peu partout en Afrique, pour la majorité des pays africains, ne savent que voter de loi. Contrôler l'action du gouvernement, je ne vois pas. Bon, ils le font. Contrôler ils l'action. Font, ils font des parce interpellations. Que interpellations. Ils font des interpellations écrites, orales, et tout. Dans certains pays, quand les députés interpellent, un ministre pour se prononcer sur un sujet comme la route Lomé-Vogan, par exemple. On a vu ce qui s'est passé. Bon, il est allé. Quand, par exemple, au niveau de Togo Télécom, on a des problèmes. Quand on interpelle le ministre, elle vient rarement ou bien elle ne vient pas. Vous imaginez? Quand, par exemple, on nous dit, un de vos confrères fait sortir une publication où 400 à 500 milliards de francs sont sortis par le père et son fils, on attend le Parlement. Parce que 400 à 500 milliards, c'est de l'argent. Je rappelle qu'on parle de la RDC. Oui, non, je suis en train de donner un exemple. Ça, vous voyez, donc les députés contrôlent l'action du gouvernement, c'est là même où ils peuvent défendre le peuple, puisque c'est l'action du gouvernement qui concourt à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Mais on ne contrôle guère l'action du gouvernement. On vote, et des lois, des fois même des lois qui, moi, me donnent de migraines. Parce que ces lois-là... Parce que c'est des lois que je ne sais même pas quand est-ce qu'on va, un jour... Le nucléaire, par exemple. Le nucléaire, par exemple, bon, jusqu'à quand? Bon, donc, je crois quand même que c'est le problème de nos députés, ce n'est pas seulement au Togo, en Afrique. Contrôler l'action du gouvernement. Marquer le gouvernement au pas. Marquer le gouvernement à la culotte. Quand il y a quelque chose, on interpelle le ministre, on interpelle l'autorité de venir s'expliquer. Pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. C'est ça le député. Il ne faut pas aller voter, lever seulement les doigts. Il y a des gens qui vont lever seulement. Pendant toute une législature, c'est lever seulement les doigts. C'est dommage. La présidente du Parlement a écrit au Premier ministre le 21 mai. N'oubliez pas que le 21 mai, on est en pleine pandémie de coronavirus. C'est là où aussi la demande est choquante. Parce que le Premier ministre, il a déjà des difficultés. Il veut réduire le train de vie de l'État. Donc le Parlement va être impacté. Et c'est en ce moment qu'on lui demande d'augmenter les salaires. Oui, pour le moment, on est tous d'accord. Le moment est très mal choisi. D'abord, il y a des secteurs qui sont affectés par le Covid, qui ont besoin de soutien. Oui. Ça, c'est la priorité pour tout gouvernement, c'est d'empêcher les conséquences du Covid dans plusieurs secteurs d'activité. Ouais. Et le gouvernement devrait plutôt s'inscrire. Et le député, j'allais dire, devait plutôt s'inscrire dans cette voie, mais ça n'a pas été fait. Contribuer au fonds de riposte. Mais en même temps, nous sommes aussi dans un pays assez bizarre. Parce que pour les un an de Tshisekedi, il y a eu des milliards qui ont été votés pour célébrer juste un an de on en a parlé de présidence. Donc, quand les députés voient que le président et son gouvernement sont capables de prendre des milliards pour organiser un anniversaire de victoire
à une élection. Ils sont en droit. C'est normal qu'ils demandent. Le pas. Voilà, je pense que l'exécutif a prêté le flanc aussi à ce genre de revendications. Mm. Mais je pense que la population est en train de suivre cela. Et que prochainement, dans les urnes, je pense que tous ces acteurs-là risquent de payer le prix. On aurait aimé quand même que, en ce moment-ci, les députés se montrent beaucoup plus, j'allais dire, compatissants des populations. Oui, déjà, le programme des 100 jours du président souffre de détournement de fonds. Mmh, oui. Et s'octroyer encore cette augmentation, les Congolais auraient du mal à comprendre. Auraient du mal. Et c'est le budget. Le budget qui va certainement pâtir. C'est le moment, à jamais on attendait, on devait s'attendre à ce que les députés cotisent, contribuent au fonds de riposte contre la pandémie. Comme ça se fait au Togo, moi je crois que le gouvernement, il y a eu 2 mois de... C'est ça, non? Salaire, deux mois de salaire, bon, on attend les députés. On attend les maires aussi. On attend aussi les mains, c'est bien dit. Bon, donc, je crois qu'ailleurs, il y a des contributions. Mm. Hein, des ministres, des députés. Et des maires. Et des maires. Et des maires. Bon, donc, mais poser des revendications allant jusqu'à 2000 dollars, quoi qu'on en dise, c'est trop. Hein, c'est trop. Et le moment, nous sommes tous d'accord que le moment n'est pas... Et évidemment, les Congolais, c'est la période qui ne s'y prête pas. C'est la période qui ne s'y prête pas. Parce que c'est le moment à jamais. Il faut la solidarité. Mmh. La solidarité entre les gouvernants et les gouvernés. Et je crois que c'est ce qui, en principe, l'Assemblée nationale congolaise devait faire. Mais je crois que ça choque. Ça choque les Congolais. Et quand vous suivez les réactions sur les médias et sur les réseaux sociaux, c'est dire quand même que les Congolais sont vraiment navrés, hein, sont vraiment désolés, sont vraiment consternés de cette revendication qui n'est pas... Ils auraient pu attendre à ce qu'on finisse avec la crise sanitaire et peut-être, pourquoi pas, avec un autre budget, poser le problème avant l'élaboration du budget pour qu'on sache que, hein, pour qu'on puisse s'en rendre compte, s'en prendre effet, mais ce n'est pas le cas, c'est un peu dommage. Mais sur le timing, je pense qu'ils n'ont pas tort. C'est-à-dire que c'est maintenant qui en fait demander. Qu'il faut envoyer pour que le gouvernement insère ça. Dans le budget de 2020-2021. Oui, c'est le moment est mal choisi. Mais par rapport au budget d'un État, le moment est normal. Non, c'est une prévision. C'est une prévision normale. D'accord. Merci. On va partir maintenant pour la pause et nous revenons pour le dernier sujet.